trophée, succès, théorie du complot. Vous avez collecté toutes les preuves. Alors, elles sont au nombre de 10. Vous en avez une dans chaque chapitre. Alors, il y a un piège, notamment celui du chapitre 3. Alors, bien sûr, pour les avoir, il vaut mieux que tout le monde reste vivant. Cependant, dans le chapitre 3, pour découvrir le cadavre, il faut absolument, impérativement, dans le premier chapitre, faire une action particulière. Je vous la mettrai dans l'ordre chronologique, mais attention. Vous avez cependant, par exemple, la fiole que, elle, vous allez pouvoir récupérer éventuellement plus tard. En tout cas, vous pouvez la trouver, donc je pense qu'elle sera identifiée chapitre 1, mais vous pouvez quand même la prendre, mais il vaut mieux les faire dans l'ordre chronologique. Et une fois que vous aurez les 10, le trophée tombera. Alors attention sur ce trophée, notamment sur Steam, vous avez un compteur qui va jusqu'à 40, mais vous inquiétez pas, au bout de 10, le trophée se débloque. 6, 7, 8. Rien d'anormal, ça se suit. Pas compris ça. Merde, tout oui. Le monde aime la chasse au trésor. Et à Aketsquari, c'est vrai aussi. Ces bois recèlent des secrets très amusants qui, si vous les découvrez, pourraient vous éviter des ennuis avec la justice. Mais après tout, les histoires que vous allez vivre ne sont que des histoires sans preuve pour les étayer. Alors plongez au cœur du mystère, prenez des photos ou trouvez des pièces à conviction, et vous prouverez peut-être votre innocence. Ouh, j'espère que Jacob n'a rien vu. Fiole, 10 preuves à choper. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est à Dylan? C'est marrant. Ok, donc, c'est une simple hypothèse, mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici, je devrais faire quoi au juste? Bah, tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou, je sais pas, arracher le doigt d'allumeur. Et oui, tu serais un parfait enfoiré. Ok, et ce truc-là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi? C'est un genre de truc qui pivote, tu sais, sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent. Jacob, t'es bien conscient que, même si on devait rester coincé ici, une nuit de plus avec Emma va rien changer. Crois-moi, sa décision est prise. Ouais. Je sais. On verra bien ce que ça donne. Alors, ce choix anodin, malheureusement, est important pour la suite. Lors du premier round, on avait fait couper l'arrivée de carburant. Cette fois-ci, on va faire prendre le doigt de la lumière. Tu viens avec moi, mon pote. Je te remets à ta place demain. Ni vu ni connu. Hé les gars, là-haut! C'est quoi le problème? Ah, je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est genre HS. D'accord, laisse-moi faire. Hé, je vous raconte pas d'histoire, il est mort. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Peut-être que tu t'y prends mal. Tu me cherches ou quoi? Assez! Arrêtez, tous les deux. Merde. Allez, hé, mais allez. Doucement! Hé, stop! Hé, putain! Putain! Je
vous avez pourtant dit de faire tous les contrôles. On les a faits. Ça devrait marcher. Ouais, ben, ça devrait. Et pourtant, on peut pas dire que ça marche. Je me trompe? Bon sang! Ok. Bon ben, okay. Écoutez, c'est pas si grave, d'accord? On n'a qu'à passer la nuit ici. En tout cas, ça avait pris feu. Non! Non, arrête! Je réfléchis. Non, je crois y avoir une interaction avec lui. Bon, et dans la pièce du fond, est-ce que je pense que c'est bien baladé? Je me demande ce que c'est. Fermé. Alors, appeler Jacob ou enfoncer la porte. Il y a peut-être la clé. Jacob ! Viens voir par là ! Oh, 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 oh. C'est parti ! Porte. Accroche-toi, parce que tu vas bientôt nous laisser passer. Ouais! Wow. On a touché le gros lot. Mate un peu tous ces trésors. Tout est pas steak, hein. Qui ferme la porte à clé. Il va pas nous tuer si on pille son stock? Quoi? Non. Attends, il nous a abandonnés. C'est genre... de la survie ou... T'es pas d'accord? J'avoue. Non. Ouais. Ok. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Bouge pas, sinon la porte se fermera. Oh. Mortel. Mate-moi ça. Mission accomplie. Boum! Je veux jeter un œil. Ouais, vas-y. Des sacs de randonnée. Jacob ! Hé, hey, regarde ça ! Quoi ? Je peux pas bouger, sinon la porte va se fermer. On dirait des trucs de camping. Ah, ok. Il y a déjà des tentes au feu de camp, alors... Viens, c'est bon. Preuve collectée. Putain. Des sacs de randonnée déchirés avec des taches de sang séchées. Ok, bon, on pourrait peut-être se... laisser sécher. Ok. Bon. Regarde ça. Ok. Prends-moi en photo. Ouais, ce sera pour tes abonnés ou tes followers, peu importe, le top 10 des mecs qui te font du bien en camp de vacances. J'ai droit à 9 de plus. Non. Hein? Oh merde, le doigt d'allumeur. Quelle merde! Alors, aider Abby, plonger. Alors, plonger, on n'avait pas l'opportunité de le faire. C'est la fameuse pièce du chapitre 1. C'est chiant quand il part chercher la serviette, on le voit qu'il l'a dans la main.
Oh là. Ouais, bravo. Là. Tire pas là-dessus, tu vas te... Quel talent. Et là on voit le corps. Que si on n'avait pas eu la pièce, on l'aurait pas fait tomber, on n'aurait pas plongé et on l'aurait pas vu. Et c'est vrai, l'indice en fait c'est qu'on le voit au tout début du chapitre. Et que si par exemple on a foutu le feu à la caisse en coupant toute l'alimentation du carburant, ben, on le revoit pas du tout et à aucun moment donné il y a une référence à part le fait qu'il y ait des randonneurs qui aient disparu. Donc voilà la troisième preuve qui nous a manqué lors du premier run. Alors, tirer, démêler. Faites-nous démêler. Tirer, c'est à quoi ça sert mal. Pas de bonne solution. Ah, ah si, il y en a une que ouvrir la trappe, mort de rire. Fouiller le sac. D'abord, on fouille le sac. Là pour le sac. Et vous savez quoi? Je vais me rhabiller. C'est fini de vous rincer l'œil. Est-ce qu'il y a un harpon? C'est quoi ça? Ouh! Pas mal ça pour self-défense. Ok. Je crois qu'il y a quelque chose là. Je. Ouvre pas. Taré. Adieu, monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard pour le rappel. Utilisez le taser, utilisez le répulsif à ours. Taser. Prends une photo. C'est quoi ça? C'est une preuve. Photo floue en gros plan prise par Emma lorsqu'elle s'est fait attaquer à la cabane. Mais par contre, il nous en manque un. Imperturbé, non, avec son. Non, y'a rien. Ah. Oula, ça a gratté fort. Marque de griffe. Ah, ça fait partie des preuves de grandes marques de griffures sur le mur du local radio. Ah bon, mais... L'OAS s'est fait attaquer. Alors, je sais pas si c'est une... c'est très réjouissant. Oh, faut mieux pas tomber. Étonne. C'est mauvais signe. Putain de merde. Très bon sens de la déduction. Avec photo. Collecter carte mémoire, salle cassée perdue dans les bois.
très perturbant avec leur changement de caméra là. Chaîne par là. Oh là. Bizarre. Qu'est-ce que tu caches, Travis ? Lettre de mise en demeure. Nouvelle preuve. Une lettre demandant aux animateurs du podcast Enquête Paranormale d'arrêter leur recherche sur Hackett Kerry. Non mais regarde-moi ça. Je dirais pas non à un bon burger là tout de suite. Arrête tes conneries. Elle manque pas d'humour, hein, même en situation. C'est cool de les avoir tous les deux parce que c'est deux des persos que je préfère le plus. C'est dommage qu'ils soient un peu en opposition sur le devenir de l'autre fou furieux. Oh la vache, c'est haut. Wow. C'est quoi ça? Tu crois que... Cher scarifié, un morceau de chair qui semble meurtri. Autre preuve. Non, je ferai pas ça. Non. Bah t'as double tranchant. Hein. Ok. Le pot avec son couteau, il me fait peiner. Lettre d'aveu de Kelly Hackett adressée à sa grand-mère. Bon, en même temps, c'était bien vu. Le camp a une mascotte ? Bah non, du coup. Bon, t'as pas dit ? Dis quoi ? Il est mort avant notre arrivée au camp. Oh, dommage. Vidéo. Une VHS. Comme s'il cherchait quelque chose. Ça nous rajeunit, pauvre. Hein. Ouais, dans la salle de surveillance. Chris stocke toutes les bandes là-bas, t'as certainement raison. Preuve collectée.